Afrique. Directeur de campagne des Ivoiriens de l'extérieur, par ailleurs, DG des Ivoiriens de l'extérieur. Madame le chef du cabinet, monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, monsieur le délégué général, fraîchement investi dans les fonctions de. Excusez-moi. Monsieur le délégué général, service de promotion économique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Parce que je ne peux pas dire le titre à moitié, le délégué général a une juridiction très étendue. Donc nous avons le devoir d'énumérer, de déplier toute l'étendue de sa compétence. Messieurs les responsables des différentes associations et organisation de la société civile ivoirienne, mesdames et messieurs les responsables politiques, notamment comme nous le constatons ce soir, de la mouvance RHDP, messieurs les dignitaires religieux, mesdames et messieurs les amis de la presse, distingués compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Je voudrais, de prime abord, saisir l'occasion qui me soit pour remercier le délégué général qui m'avait adressé une invitation m'indiquant que le RHDP avait porté son choix sur sa personne pour être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle pour le titre de l'élection de octobre 2015 et qu'à ce titre, le RHDP l'avait choisi pour être le représentant de ce grand parti politique, regroupant, comme vous le savez, des partis comme le PDCI, RDA, que je vous demande d'applaudir. Le RDR, l'UDPCI, le MFA, l'UPI. Et à ce titre, il est chargé d'assurer la coordination de toutes les actions qui devraient être menées pour que le candidat unique désigné par cette mouvance, ce candidat unique, disais-je, soit porté à la magistrature suprême dès le premier tour. Notamment ici, aux États-Unis d'Amérique. Et
cette responsabilité a été confiée à un des vôtres, Monsieur Enza Camara, que j'ai eu le privilège d'avoir comme collaborateur en sa qualité de délégué général du service de promotion économique. Et en cette qualité, il m'a été donné de constater, de découvrir les compétences de l'homme, l'humanisme de l'homme, ce qui, se traduisant sur le terrain politique, de mon point de vue, a été un élément essentiel dans le choix porté sur lui pour mener cette importante mission qui vient de lui être confiée. Si je fais cette petite digression, c'est parce que je me suis dit que cela était nécessaire. Parce que certains se sont posé la question de savoir s'il est délégué général, et puis il est RHDP, mais en fait c'est de cela qu'il s'agit. Puisque nous trouvons les qualités dont on a besoin pour être délégué général en la personne, nous trouvons les qualités qu'il faut pour être représentant du RHDP aux États-Unis dans la même personne. Je voudrais pour poursuivre dire qu'il me soit permis de rendre ici un hommage appuyé au responsable qui vient d'être désigné. Je vous dire qu'il peut compter sur le soutien de ses compatriotes. Il m'a été donné de connaître parce que je les pratique au quotidien. Et les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis ont cette particularité d'être a priori numéro un. Parce que nous sommes dans le pays qui est numéro un sur la planète. Donc, ce qui concerne les États-Unis devrait être en position, en pole position. C'est pour cette raison que la responsabilité qui vient d'être confiée à M. Enza Camara est aussi votre responsabilité. Et en ce qui me concerne, je voudrais d'entrée de jeu vous dire ceci. Vous constaterez que, contrairement à la façon dont je m'adresse à vous d'habitude, aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances toutes particulières. Après que nous avons duré dans la diplomatie, mon collègue et ami et promotionnel, l'ambassadeur Wakamon, peut en témoigner. Nous sommes des diplomates de carrière. Et si mes souvenirs sont exacts, en 1985, le président de la République, Son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny, avait demandé que les diplomates, notamment les ambassadeurs, se mettent en marge des activités politiques en étant membres des instances politiques du pays, afin de leur donner d'accomplir comme il se doit et dans la plus grande neutralité et la plus grande objectivité la mission d'État qui est la leur. Donc, depuis cette date, c'est cette posture que nos diplomates et carrières, notamment nos ambassadeurs, c'est ce que nous observons. Et, chers compatriotes, j'ai accepté volontiers de prendre la parole à cette cérémonie, ce qui semble quelque peu déroger, comme je viens de le dire, à notre déontologie. C'est parce que j'estime, en mon âme et conscience, qu'il était nécessaire pour moi de le faire.
Mais si, en effet, il était pour moi nécessaire de partager avec vous ce qui est mon intime conviction. Mon intime conviction, chers compatriotes, c'est que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, va mieux. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, se porte bien. Mon intime conviction, c'est que, à nouveau, le diplomate ivoirien, qui était devenu l'arrivée de ses compatriotes, est à nouveau courtisé. À qui l'on refusait de façon délibérée la parole les enceintes internationales. Grâce au leadership et à la connexion du président Alassane Ouattara, je puis vous dire, l'ex-directeur général du FMI avait adressé à travers nous une lettre au président pour dire qu'il allait soutenir la Côte d'Ivoire. Puisque, comme vous le savez, l'économie était en lambeaux. Malheureusement, quelque temps après, ce qui lui est arrivé, nous savons tous. Donc, il a quitté son poste. J'étais donc tout malheureux. Parce que je pensais que le sort de notre pays était hypothéqué. Tenez-vous bien. Lorsque Christine Lagarde est arrivée, elle n'a que admiration pour le président Ouattara. Admiration et respect, parce qu'elle connaît les compétences de l'homme. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit donc de mettre à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut, pour faire le boulot. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des témoins. Quand tu as vu quelque chose et que tu n'oses pas dire ou que tu n'as pas le courage de dire, ça devient coupable. Si moi je n'ai pas vu, je ne vais pas dire. Si je n'ai pas entendu, je ne vais pas en parler. Ce que j'ai dit, c'est, ce sont des faits dont j'ai été témoin. Comment elle s'appelle, l'ex-secrétaire d'État, Hillary Clinton, a invité Madame Dominique Ouattara. J'ai assisté à l'audience. Nous étions quatre. Madame la Première Dame, Madame la ministre de la Santé actuelle, moi-même, plus la DIRCAB de Madame la Première Dame. L'ex-secrétaire d'État a dit à la Première Dame, Madame la Première Dame, dites à votre mari, à votre époux, président de la République de Côte d'Ivoire, que moi, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, je mise sur le leadership des hommes et que votre président a ce leadership qui va au-delà, qui va au-delà de votre pays. Dites-lui de nous formuler ses besoins. Nous allons lui accorder les moyens pour mener à bien la reconstruction de votre pays. J'étais témoin. Au-delà de cet aspect, pour égrener, continuer à égrener, nous savons que
Le MCC, si tu ne peux pas être dans la Goa, ce n'est pas au MCC que tu vas être, parce que le MCC est encore plus restrictif, le Millennium Challenge Corporation, qui est conçu pour encourager la bonne gouvernance, l'état de droit, l'environnement des affaires, tout ce qui peut contribuer à faire d'une économie une économie prospère, avec des retombées sur les populations. En décembre 2014, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été éligible au MCC. Je voudrais aussi terminer peut-être pas, mais dire que les États-Unis, qui sont les champions en matière d'économie, d'investissement, ils ont à ce jour un bureau de l'OPIC, un seul bureau de l'OPIC sur le continent africain. Et ce bureau se trouve en Afrique du Sud. Ils devaient ouvrir un deuxième. Nous les avons rencontrés. On a discuté. Nous avons présenté la carte d'identité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'ouvrir le deuxième bureau en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ouattara. Qu'ils connaissent tous. Je voudrais aussi dire que tout récemment, notre aéroport, Mabefo, bon, si vous voulez aussi, Nkengban. Alors donc, t'es certifié avec pour objectif final l'instauration de vols directs entre Abidjan et les États-Unis. Nous y travaillons sérieusement et je voudrais inviter chacun de vous à mettre ces réseaux en branle pour que très rapidement on puisse trouver la compagnie qui de façon responsable et équitable assurera la desserte de cette destination. C'est le cœur de l'action gouvernementale au pays. Notre président accorde un intérêt tout particulier à la jeunesse parce que c'est cette jeunesse qui va assurer la pérennisation de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous voulons que notre pays soit émergent, ce dont nous sommes d'ailleurs tout à fait sûrs. C'est pour cette raison que le thème majeur de la conférence des chefs d'État US-Afrique, la nouvelle génération soit véritablement partie prenante en ce qui concerne les problèmes de bonne gouvernance, de l'esprit d'entreprise, de l'état de droit, de tout ce qui caractérise de la bonne gouvernance, tout ce qui caractérise un État moderne. C'est pour cette raison qu'il a conçu le YALI, par rapport auquel chaque année, il fait venir 500 jeunes africains pour venir participer à des séminaires, à des cours, se familiariser. En fait, il fait une immersion dans l'environnement ici aux États-Unis pour espérer demain que cet environnement va déteindre positivement sur eux et qu'eux aussi, ils s'en feront le relais sur le continent. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir 12 Ivoiriens, 12 jeunes Ivoiriens qui sont venus. Je les ai reçus au terme de leur mission à la résidence pour leur prodiguer également des conseils. Cette année, nous avons eu également 12 Ivoiriens qui sont venus. Et puis, si je fais mention du YALI, c'est parce que Monsieur le Premier ministre Duncan était de passage ici quand je l'ai amené à rencontrer les responsables américains et nous avons abordé la question du YALI. Et il a dit, mais en fait, on pourrait ouvrir des centres chez nous. Pourquoi ne pas ouvrir des centres sur le continent africain? Je me suis fait l'avocat de cette cause et je puis vous dire que la Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter un centre YALI. Si la Côte d'Ivoire n'était pas de retour avec le président Ouattara,
si la Côte d'Ivoire n'était pas crédible, si la Côte d'Ivoire n'avait pas retrouvé sa crédibilité, je puis vous dire que quel que soit, parce que c'est le même ambassadeur Diabaté qui était là, qui est encore là, mais pourquoi il n'y avait pas de résultats? C'est pour ça que j'ai dit, et mes collègues diplomates le savent, j'ai dit que la diplomatie n'est que le reflet de la politique intérieure. Si vous avez une bonne politique intérieure, cela se déteint positivement sur l'action diplomatique à l'extérieur. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion de dire à Monsieur le Président de la République, qui avait bien voulu me recevoir, qu'il était, naturellement, nous le savons, il est le premier des diplomates, c'est lui le chef de la diplomatie. Et j'ai dit, en passant, que Monsieur le Président, vous faites 90% du travail des diplomates. Il m'a dit, mais Monsieur l'ambassadeur, je ne veux pas dire qu'il dit que j'exagérais, mais il m'a dit que non, mais c'est un travail d'équipe, avec toute la modestie qu'on lui connaît, alors que nous sommes convaincus qu'il fait le gros du boulot. Et j'ai en réponse dit que, Monsieur le Président, certes, c'est un travail d'équipe, mais vous êtes le chef d'équipe. Je crois que j'ai trop parlé, mais je voulais conclure. Je peux continuer? Je voulais conclure. Je voulais conclure en disant que toutes ces prouesses et tous ces résultats procèdent de la vigoureuse offensive diplomatique menée par le président Alassane Ouattara. Mais je puis vous dire que son crédit et son capital confiance, de même que sa notoriété et le respect et la considération au sein de la communauté internationale, constituent ses atouts les plus précieux. Sans compter, disais-je, son savoir-faire et notamment son expertise mondialement reconnue, je dirais d'abord mondialement connue, reconnue et appréciée. Au plan national, puisque j'ai longuement développé le plan international, je voulais dire que l'impact de la politique menée par le président dès son accession, je l'ai déjà développé. Tout ça, ce n'est que le fruit de tout ce qu'il a fait dès le départ. Donc, chers frères et sœurs, chers collègues, monsieur l'ambassadeur, je voudrais terminer ici mon propos en disant que, outre la leçon d'économie dont le président est expert, c'est véritablement une leçon de vie qu'il nous donne, une leçon de vie que nous donne le président Ouattara, en ce sens que il a démontré que rien ne peut s'obtenir sans effort. Rien ne peut s'obtenir sans investissement préalable. Pourquoi je fais allusion à cela? C'est parce que quand il est arrivé, l'économie, comme je le disais, était en lambeaux. Il a commencé par faire des réformes dont les conséquences étaient douloureuses pour certaines personnes, certaines entreprises. Nous avons vu, en tant qu'observateur, pas en tant que politique, puisque je vous ai dit que depuis 1985, on a demandé aux ambassadeurs de se tenir à l'écart de la politique, parce que si je devrais
parler en tant que politique, ce n'est pas ce que j'aurais dit. J'aurais dit plus que ça, avec d'autres détails. Mais là, je reste dans mes fonctions, une sorte de tour à partir de laquelle nous avons une vision sur un certain nombre de choses. Et c'est ce qui me permet de dire ce que je suis en train de partager avec vous. Et je pense, au vu de ce que j'ai vu, et au vu de ce que vous aussi vous avez vu et que vous continuez de voir, nous sommes amenés à dire que l'émergence à l'horizon 2020 n'est pas une vue de l'esprit. C'est à notre portée. Je puis vous dire que l'émergence à l'horizon 2020 est à notre portée parce que ce qui a été fait en 4 ans, même en 10 ans, 15 ans, certains ne peuvent pas le faire. Non. Notre pays est béni. Notre pays est béni parce que nous avons tout. Je dis bien nous avons tout. Quand je dis nous avons tout, ce n'est pas ce à quoi vous commencez à penser a priori. Ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas les infrastructures, ce sont les hommes. Parce que il m'a été donné d'écouter le président Giscard d'Estaing à l'époque. Il y avait eu un sommet franco-africain en Afrique de l'Est. Pour conclure, il a dit ceci, je vais le citer. Mesdames et messieurs, pour conclure, je vous dis, là je le cite, la meilleure richesse qu'on puisse souhaiter à un pays ami, ce sont les hommes. Je voudrais aussi ajouter que quand nous étions en formation à Paris, à l'Institut international d'administration publique, on avait encore l'esprit étudiantin. Un de nos collègues, c'était une école internationale, un de nos collègues nous a dit, oh, vous les Ivoiriens, vous faites trop le malin. Votre chance, c'est d'avoir eu Oufoué. On a pensé que c'était une insulte. On a pensé que c'est une insulte. On a failli se bagarrer pour ça. Pour découvrir des décennies après que cet ami avait parfaitement raison. Parce que c'est le président Oufoué qui a pu faire la différence entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Aujourd'hui, le président Oufoué, malheureusement, n'est plus de ce monde, mais il a eu la vision. Diriger aussi, c'est avoir la vision, c'est avoir le leadership. Il a eu la vision, et c'est le fruit de cette vision que nous récoltons aujourd'hui. Là, c'est le diplomate qui parle. Je voudrais donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit dès le départ, ne pas rentrer dans les chiffres parce que tout a été dit. Je demande aux responsables de la communication de nous donner copie de tout ce qu'on a projeté parce que nous aussi, nous vendons la Côte d'Ivoire. Et il faut vendre la Côte d'Ivoire avec les équipements, les matériaux crédibles, comme ce que nous venons de voir. Je voudrais au passage saluer et féliciter les concepteurs de ces vidéos. Je disais donc que la Côte d'Ivoire est un pays béni, mais la bénédiction se mérite. Elle se mérite en ce sens que si nous ne cultivons pas la paix, l'entente, l'amour, le sens de la fraternité, la cohésion, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait au moins une trentaine de fois que je parle aux Ivoiriens. Je vous ai toujours dit que ce qui nous divise en apparence est nettement insignifiant par rapport à ce qui nous unit, à notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, que nous aimons tous. Mais cette bénédiction ne sera réalité que si nous cultivons l'amour, la paix, la fraternité, la cohésion, que la tolérance, merci, que nous enseignent nos aînés. Nos aînés, et je voudrais dire
ici que nous avons des aînés qui aiment la Côte d'Ivoire. À commencer par le président Henri Konan-Bédié. Sans lui, notre pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Pour être un peu trivial, je dirais que nous, notre travail était gâté. Puisque notre travail, c'est de représenter la Côte d'Ivoire. Quand tu vois que tu n'as même pas droit à la parole, comment tu vas représenter ton pays? On avait la mort dans l'âme. Certains de mes collègues étaient à Abidjan. Abidjan, les gens souffraient. Mais ici, nous, on souffrait, on avait la mort dans l'âme. On parlait mal de la Côte d'Ivoire. On nous traînait. À telle enseigne qu'à une réunion du groupe des ambassadeurs africains, j'étais obligé de prendre la parole pour diplomatiquement leur dire, chers collègues, si ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est arrivé à un pays comme la Côte d'Ivoire, sachez que personne ici n'est à l'abri. Parce que on se moquait de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Si je suis venu, c'est parce que j'avais quelque chose à partager avec vous, comme j'ai d'ailleurs l'habitude de le faire. Je suis, au-delà du fait d'être l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, je suis aussi votre... Ça devrait aussi vous amener à m'écouter. Mais il y a certains, quand je leur parle, ils n'écoutent pas. Et quand je leur dis que si vous faites ceci, ça va produire cela, ils disent non. Et puis après, ils se rendent compte que ce que j'ai dit, j'avais raison. Longtemps dans la diplomatie, et puis bon, à notre âge, on a vu beaucoup de choses. Donc quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on sait ce que ça va donner. Donc, chers frères et sœurs, nous avons overnight. Il faut faire le homework. Et notre homework, comme je le dis, c'est de sens de la fraternité, la tolérance, l'hospitalité. Mais Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. C'est de cela qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer en disant à M. Enza Camara, confier est une mission très importante. Et je sais que c'est en connaissance de cause que la mission lui a été confiée. Qu'il sache qu'il peut compter sur ses frères et sœurs ici aux États-Unis pour mener à bien cette lourde mission pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ok, je vous remercie. Donc, là, à commencer naturellement par le président Alassane Ouattara, pour lequel je sais que vous avez beaucoup d'admiration, et son aîné, le président. Tous les photographes qui m'ont accueilli, n'est-ce pas, à cette belle rencontre, cette photo de famille, autour de nos autorités. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui viennent de prendre notre émission en marche, sachez que vous êtes avec Afrique Vision Nouvelle ici à New York. Nous sommes donc dans le cadre de l'investiture du camarade Enza Camara comme directeur de campagne du président Alassane Dramane Ouattara ici aux États-Unis. L'événement était de taille car il a réuni ce que la Côte d'Ivoire avait de personnalité ici aux États-Unis. J'ai parlé de son Excellence Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'administration d'Obama. J'ai parlé de M. Stanislas Bois-Camon,
représentant de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. J'ai parlé de M. Christophe Kouakou, consul général de la République de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. À cette occasion aussi, quelques questions pour Afrique Vision Nouvelle. À quelques semaines des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, en tant que le premier représentant des Ivoiriens ici aux États-Unis, quel message avez-vous à donner aux Ivoiriens en ce qui concerne les élections? Bon, en fait, je crois que c'est plus important que ce qui, de façon subsidiaire, peut nous diviser. Donc, l'appel que je voulais lancer à nos compatriotes, c'est de prendre en compte l'amour que nous avons en partage pour la Côte d'Ivoire et d'aller dans le sens de la réconciliation, dans le sens de la paix, du pardon, de l'amour, de la tolérance, de la cohésion, pour que ces élections-là se passent de façon apaisée et que la Côte d'Ivoire enclenche à nouveau le processus de développement économique et social que, sous le leadership du président Ouattara, elle a amorcé. Vraiment, c'est ça que je peux donner comme message. Je vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie. Oui. Les Nations Unies accordent une importance particulière à cette élection ivoirienne. En tant que représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, quel message avez-vous à donner aux Ivoiriens, tant aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire? Bon, mais je crois que mon collègue a diffusé le message. Je ne voudrais pas marcher sur sa langue, mais je crois que le plus important, c'est dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et c'est un pays qui a fini avec la crise. Les élections, c'est le processus normal d'un État moderne. Tous les 5 ans, on doit choisir nos représentants. Et le président souhaiterait que ces élections soient calmes, apaisées, démocratiques et ouvertes à tous. On n'a vraiment pas de problème. Tout le monde peut se représenter. Et c'est ce qu'on a dit aux Nations Unies. Le président est d'accord pour que ces élections soient apaisées, démocratiques et ouvertes à tout. Et on demande aux Ivoiriens de faire l'effort de respecter leurs droits civiques. Le droit civique, c'est quoi? C'est tous les 5 ans apporter des nouveaux leaders à ce pays. Nous avons un candidat qui est bon. Un candidat qui est bon, et je crois qu'il est bon de lui donner encore un second mandat pour qu'il parachève l'œuvre qu'il a faite. Vous avez écouté tout à l'heure l'ambassadeur Diabaté. Son message était très clair. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de retour. Et si la Côte d'Ivoire est de retour, c'est parce que le capitaine a fait un travail remarquable. Je l'ai dit le 7 août, nous avons un bon capitaine, on a un bon produit, il faut le positionner. Ce n'est pas tellement pour nous, mais c'est pour nos enfants et la jeunesse. La Côte d'Ivoire est le pays où on a plus de 25% de jeunes qui aspirent à l'emploi. Et pour aspirer à l'emploi, il faut que le leader puisse avoir les coudées franches, avoir les relations qu'il faut. L'argent, ça ne se crée pas. C'est la confiance qui entraîne l'argent. Et je le dis, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui peut apporter du bonheur à ce pays. Il faut lui donner une chance de parachever l'œuvre qu'il a faite. Allez à Abidjan et vous voyez ce qui a été fait en 4 ans. Tous les pays du monde mettent 10 ans pour faire ça. Aux Nations Unies, on est même surpris que la Côte d'Ivoire soit venue assez rapidement, parce que la crise a été dure. La crise a été dure et malgré ça, en moins de 4 ans, le président a fait un travail monumental. Parce qu'il comptait d'abord sur ses hommes et beaucoup plus sur son aura. Nous avons la chance d'avoir un grand homme, il faut lui donner la possibilité de continuer à travailler pour son beau pays. Voilà. Je vous remercie, Son Excellence. Okay. Bienvenue à Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu l'occasion de prendre la parole. Quelle déclaration vous pouvez faire aujourd'hui? Mais merci de me donner l'occasion de féliciter les organisateurs
de cette importante cérémonie. Je pense que l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui a pris la parole au nom du corps diplomatique, a bien situé le sujet. Nous, nous sommes des observateurs, nous sommes les bénéficiaires de la politique du président de la République. L'ambassadeur Diabaté a de long en large dit ce que le chef de l'État, premier diplomate, chef de la diplomatie ivoirienne, fait pour notre pays au plan international. Avec lui, toutes les portes nous sont ouvertes. Avec lui, la Côte d'Ivoire a retrouvé de la voix sur la scène internationale, dans les enceintes internationales. C'est ce que je voudrais rappeler, c'est ce que j'ai retenu, et je pense que vous, nos compatriotes, vous avez bien saisi le message, partagé ce message, parce que c'est ce qui est la vérité. Je vous remercie. Merci. Et les oppositions qui critiquent la République, que dit l'opposition? Moi, je... Tamara, vous venez d'être investi comme directeur de campagne du président Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis. Quels sont vos sentiments? Mais c'est des sentiments de joie et de gratitude, non seulement envers la direction centrale de campagne, et aussi envers la direction de campagne des Ivoiriens de l'extérieur. Et vraiment un grand sentiment de gratitude envers mes collègues délégués et nos militants ici aux États-Unis. Avez-vous les politiques de vos moyens pour pouvoir mobiliser autant de militants qu'à l'an 2010? En fait, au niveau individuel, nous avons plus de moyens qu'en 2010. Mais les moyens ne suffisent pas. C'est les hommes qu'il faut. Donc très rapidement, nous allons mettre en place la coordination, former un bureau le plus inclusif possible et puis mettre tout le monde au travail. Essayer de leur donner le minimum pour qu'ils puissent faire le travail. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Afrique Vision Nouvelle, vous venez d'assister à l'investiture du directeur de campagne du président Alassane Ouattara aux États-Unis. Avec votre bénédiction, la mobilisation, c'est le travail à faire. Avez-vous toutes les dispositions, avez-vous pris toutes les dispositions pour arriver donc à faire une mobilisation telle qu'en 2010? Je pense que l'un des éléments fondamentaux dans une campagne, c'est de laisser les responsables conduire leur campagne. C'est ce que nous faisons. Moi, je suis ici au nom de la direction centrale des Ivoiriens de l'extérieur, qui m'a demandé de venir participer à l'intronisation de votre directeur local de campagne, ce que nous avons fait. Les États-Unis ont accordé plus de 1500 voix au chef de l'État en 2010. Et nous souhaitons qu'il y ait un bon niveau d'organisation ici. Et nous avons insisté sur l'entente et la cohésion au sein de la communauté. Ce sont des éléments fondamentaux pour pouvoir mener une campagne qui est profitable à tous. En tant que membre de RHDP, quel message vous pouvez lancer donc aux électeurs du président Alassane Ouattara aux États-Unis qui vous suivent en télévision directe? Et c'est juste de dire qu'il faut rester unis. Les intérêts partisans, individuels, doivent céder le pas à l'intérêt collectif. C'est le collectif qui est important. Il faut laisser les récriminations de côté. Il faut se mettre ensemble pour mener des campagnes positives. Il faut qu'il y ait des campagnes apaisées. Les Ivoiriens doivent aller voter librement. Et cela est très important pour notre pays. Donc nous leur disons simplement de faire fi des différences et de se retrouver dans un creuset qui est un creuset de la paix. Hein. Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Nous devons vivre le slogan de RHDP. Cela est fondamental. Je vous remercie, monsieur le directeur. Merci. Et à l'investiture du directeur des campagnes du président Ouattara ici aux États-Unis, quelles sont vos impressions? Bon, je constate que d'abord la cérémonie, ce fut une très belle cérémonie, avec une salle pleine d'Ivoiriens et de militants du RHDP. Ça veut dire qu'il y a une certaine union qui règne au sein du RHDP.
aux États-Unis et avec un homme comme M. Enza Kamara, qui est un homme compétent, qui est charismatique, qui est dynamique. Je pense qu'il arrivera à animer son équipe afin de faire une très belle campagne aux États-Unis. En tant que femme, quel message vous pouvez lancer donc à la gente féminine, ici aux États-Unis? Je pourrais dire aux femmes de voter massivement pour son Excellence le président Alassane Ouattara, parce que le président a mis les femmes au cœur de son programme de développement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de réalisations, de projets ont été mis en œuvre pour, au profit des femmes. Et également, au niveau des lois, il y a eu des avancées. Donc je pense que peut-être que les femmes n'ont pas encore tout eu, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les femmes. Et je pense qu'avec un deuxième mandat, le président arrivera à satisfaire pleinement les femmes. Je vous remercie. De rien, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Seya, vous venez de faire une intervention à l'endroit du public ivoirien pour le compte du PDCI. Et nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Quel message particulier avez-vous à lancer à nos compatriotes? Merci de cette question. Nous sommes en début de campagne. La campagne sera officiellement ouverte le 9. Mais en prélude à la campagne, le message que j'ai à lancer à l'endroit des Ivoiriens de la diaspora est que d'abord, elle vient d'être dotée d'un responsable de la campagne du président Addo, qui est le candidat unique du RADP. À partir du moment où nous connaissons le directeur de la campagne, c'est-à-dire le premier responsable qui est chargé d'organiser la campagne, nous allons nous mobiliser autour de lui pour organiser cette campagne et faire voter à 99%, comme l'a dit tout à l'heure un des sages, c'est une prophétie, notre candidat, le docteur Alassane Ouattara, aux prochaines élections présidentielles. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous venez de Philadelphie? Bien sûr. Au nom de l'UDPCI? Correct. On vous a vu parler tout à l'heure à la tribune, dans un discours qui exhorte les Ivoiriens à sortir massivement pour voter. Quel message vous donnez aux militants ici à New York? Merci de me passer donc le micro. Merci vraiment de cette opportunité que vous me donniez ce soir. La même invitation que j'ai lancée tout à l'heure, la même exhortation que j'ai lancée tout à l'heure aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, la même exhortation, la même invitation gratuite, je la lance aux militantes et militants de New York et de ses alentours. La Côte d'Ivoire de demain dépend de vous. La réussite, ce que nous appelons l'émergence de 2020 dépend de vous. Et avec vous, nous y parviendrons. Le dynamisme du président Alassane Ouattara n'est plus à déterminer. Nous sommes confiants que ce président a déjà et fera plus encore pour la Côte d'Ivoire. J'invite jusqu'à cette fois les Ivoiriennes et les Ivoiriens, et même aux non-Ivoiriens qui aspirent à la paix en Côte d'Ivoire, à sortir massivement le 25 octobre prochain pour voter le président Alassane Dramane Ouattara, pour que cette fois, ça soit juste un tour. On n'a plus besoin de deux tours. On n'en a plus besoin puisque nous avons déjà l'expérience. Alors, le 25, nous nous donnons rendez-vous. Que Dieu soit loué. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. L'investiture du camarade Enza comme directeur de cabinet du président Ouattara. Directeur de campagne. Directeur de campagne, autant pour moi. Êtes-vous prêt à lui donner coup de main pour pouvoir accomplir donc cette difficile mission quand on sait qu'actuellement les militants sont démobilisés?
Absolument. Nous, on a cette obligation. D'abord, la démobilisation des militants se comprend, mais il faut vraiment travailler sérieusement, revenir et leur fixer l'objectif de cette campagne. Parce que l'homme qui a la tête, le docteur Alassane, à cause de tout son travail et de ce qu'il prévoit pour la Côte d'Ivoire, en toute sincérité, on doit oublier les petits détails et s'occuper de l'essentiel. J'ai dit très souvent aux Ivoiriens des États-Unis qu'on sait ce que c'est que la politique et on sait ce que c'est que l'économie. Et vous-même, vous voyez, vous ne dépendez pas du gouvernement, vous ne dépendez pas de l'administration. Vous travaillez plus pour vous-même, pour pouvoir aider vos enfants, votre famille. Et moi, je crois qu'on doit mettre ça en nous-mêmes. Parce que c'est comme nos parents n'avaient rien à voir avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, le docteur Alassane est en train de mettre ce terrain-là pour tous les Ivoiriens, pour que le privé soit dominant. Donc moi, je pense que les détails des individus, honnêtement parlant, on ne doit pas mettre l'accent sur ça. Je vous remercie. De rien du tout. Monsieur Dosso, this is AfriVision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m., channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock, channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 o'clock to 7:30, channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30, channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.